Tum 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 tum. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, bonjour, 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 bonjour ma famille royale. Ike, ça fait combien de semaines là? Ça fait combien de semaines? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hello, bienvenue à vous. On s'est pas eu en live, ça fait combien de semaines? Comment vous allez les mamans, les papas? Comment vous allez mes reines, mes bichoufiou hen? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, si vous êtes là, commencez par m'envoyer les cœurs. Coucou, ça fait quelques jours. Commencez par m'envoyer les cœurs. Aujourd'hui, cet après-midi, il est 11h35, heure de France. Voilà, nous abordons une nouvelle thématique. Si vous êtes là, manifestez votre présence par un cœur, un petit message. Ça fait du bien. En tout cas, venez me dire bonjour ce matin. Alors, mes reines, voilà, nous débutons ce mois de septembre, la rentrée scolaire de nos enfants 2023-2024. Mes reines, c'est maintenant que les choses se jouent. C'est maintenant que tout se passe. Vous savez, comme je vous le dis toujours, oui, les valeurs se construisent. Voilà, la personnalité d'un enfant, vous avez la capacité de construire la personnalité de votre enfant. Ce que vous voulez voir se manifester sur votre enfant, c'est maintenant qu'il faut planter. N'attendez pas à la fin, n'attendez pas au dernier moment, quand l'enfant viendra se mettre nu sur les réseaux sociaux pour dire que ouais, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Vraiment, j'ai tout fait pour cet enfant. C'est maintenant que vous devez le faire. N'attendez pas quand vos enfants là seront les pions dans les quartiers. Oui, n'attendez pas lorsque vos enfants vont commencer à traîner avec les vendeurs d'un coup. Vous comprenez, non? Les personnes qui sont en Europe comprennent très bien. N'attendez pas quand vos enfants vont choisir la mauvaise compagnie pour dire que hey, je fais comment de cet enfant-là. C'est maintenant que le travail commence. Et c'est pourquoi c'est de mon devoir. Je dis toujours aux mamans, mettez vos fesses à terre pour l'éducation de vos enfants. La plus belle réussite d'une maman, c'est de voir ses enfants épanouis. Mes reines, sans vantardise, quand je marche en roule, je pousse des ailes. Quand je marche en roule, je suis fière de moi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour les biens matériels. Je n'aime pas parler d'argent sur Internet ou des biens. J'ai construit ma première maison à l'âge de... J'avais quel âge? Il n'y avait même pas encore les papiers en Europe. J'avais peut-être, bref, moins de 30 ans. Vous comprenez un peu? Donc, je ne parle pas de ça parce que je sais que le bien matériel, ça, c'est zéro. Vous comprenez un peu? Lorsque tu vas laisser des immeubles, les maisons aux enfants qui n'ont pas reçu des valeurs, maman, c'est comme si, voilà, tu as jeté. C'est-à-dire que tes efforts sont vains parce qu'ils ne vont pas comprendre l'utilité de tous ces biens-là. Vous comprenez un peu? La plus belle richesse d'une maman, mes reines, c'est de voir ses enfants être la tête, comme je dis, et non la queue. C'est de voir ses enfants prospérer. Oui, c'est de voir ses enfants réussir. Et la réussite, oui, n'est pas seulement professionnelle, même dans les valeurs, l'éducation. Regardez ici autour de vous, hein, pour les mamans qui sont en Europe. Il y a les enfants là tellement mal élevés. Vous-même, vous êtes au milieu de vos copines, vous avez honte. L'enfant entre à la maison, vous êtes avec vos copines en train de causer. L'enfant ne dit même pas bonjour. L'enfant est tellement désagréable. Oui, à vivre. Ça dit que vous-même, vous avez honte de votre... Ça dit que vos entrailles, vous avez honte vous-même de vos entrailles. Ça dit qu'au milieu des gens, vous êtes toujours mal à l'aise parce que l'enfant a des comportements bizarres. C'est pourquoi je vous dis toujours, mes reines, mettez vos fesses à terre. Vous n'allez pas le regretter. Vous allez savourer les fruits. Oui, de vos semences, de ce que vous avez planté. Parce que lorsque vous allez rester comme ça, vous allez regarder vos enfants. Vous-même, vous serez fiers. Oui, vous serez fiers. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon parcours, parce que quand je le dis toujours, chez moi, là, c'est avec les preuves à l'appui. Vous connaissez mon leader ambitieux, là, non? Voilà, major de sa promotion.
Il va nous décrocher le master. Oui, oui, avec mention. Oui, parce que dès que vos enfants, vous devez toujours leur dire, vous êtes la tête et non la queue. J'ai mon dernier fils qui a développé les attitudes, on appelle ça ici comment? L'impulsivité là. Vous comprenez un peu, l'impulsivité. J'ai un maître qui m'a dit, oui, quand on nous faisait les réunions scolaires et tout, quand il décrivait mon enfant, c'était comme si j'avais accouché un monstre. Je regardais comme ça, je disais que ce qui sort de mes entrailles est la tête et non la queue. Rendez-vous d'ici quelques années. J'ai déposé mes fesses à terre. Oui, c'est des sacrifices, mes reines. Vous n'êtes pas prêtes à faire des sacrifices pour vos enfants. Vous pensez que qui viendra le faire? J'ai déposé mes fesses à terre. Oui, déposé mes fesses à terre. On a payé le prix, mon mari et moi. On a dit que diagnostic autiste, diagnostic quoi. Je leur dis que chez nous en Afrique, nous on ne connaît même pas les choses comme ça. Voilà. Nous on ne connaît pas les choses comme ça. Nous on appelle ça la tétutesse. Voilà. Je dis à Dieu, cet enfant a été désiré pendant des années dans le mariage. Cet enfant, on l'a eu. Oui, oui, par ta foi. Mon père a mangé la dot. Qui peut venir déposer quoi sur mon enfant par rapport à quoi? Mon père a dit que va te marier. Il était d'accord. Donc s'il y a quelqu'un là qui vient parler sur mon nom, la dot a été donnée, tout le monde a mangé. Ils ont mangé dans tout le village. Ils ont mangé des nuits et des nuits. C'était les boissons, on appelle ça quoi en Afrique là? Les boissons qu'on ramène dans les trucs là, les boissons de la brasserie là. Hein? Qu'on amène les tuyaux là de la brasserie là. Tout le village, ce n'était pas une histoire de famille. Quand mon père s'est donné, c'était tout le village à manger de cette dot là. Donc personne ne peut venir déposer une mauvaise semence quand j'ai eu la bénédiction de mon père. Oui. Mais mes reines, je ne suis pas restée seulement à prier. J'ai déposé mes fesses à terre. Vous savez votre problème? Votre problème, mes reines, vous voulez imiter les autres. Oui, vous êtes tellement vous voulez imiter les autres. Oui, vous voulez faire comme les autres. Ah, comme l'autre est en train d'évoluer rapidement, il faudrait que j'évolue. Il faut apprendre à connaître tes priorités. Il faut apprendre à connaître tes priorités. Oui, connais tes priorités dans la vie. Oui, si tu as des enfants qui ne te respectent pas, tu as des enfants agités, tu as un enfant autiste, tu as un enfant ceci, tout genre d'handicap qu'on décrit ici en Occident, tu dois repartir, connaître tes priorités. Est-ce que vous comprenez un peu mes règles? C'est-à-dire que tu vas aller doucement, maman, mais tu vas arriver sûrement. Tu vas faire des choses que même les gens ne vont pas réussir à, ne vont pas... C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la capacité de réussir à faire. Parce que toi, tu as pris le temps. Tu as pris le temps de comprendre ta situation. Tu as pris le temps d'avancer à ton rythme. Avancer à son rythme ne voudrait pas dire que tu as échoué. Non. Avancer à ton rythme ne voudrait pas dire que tu as échoué. Non, non, non. C'est parce que tu as compris ta situation et tu décides de réparer ce que le diable veut gâter. Est-ce que vous comprenez? Paix à son âme. Paix à son âme. On a vécu des situations très dramatiques, mes reines, mais comme je vous dis, ma vie, moi je dis souvent, c'est toute une histoire, c'est toute une Bible. Mais j'ai su mes priorités. Oui. Et aujourd'hui, quand je marche, mes reines, vous voyez un enfant qu'on citait comme autiste. Oui. Et qu'aujourd'hui, quand on prend des références, même en réunion des élèves, on pointe le couple tel. Mais regardez cet enfant quand il est venu ici. Mais regardez ses parents-là. Mes reines, j'étais dehors matin, midi, soir. Je vais ici. Je prends les privés. Je prends les orthophonistes privés, publics. Je prends les ceci. Je prends les cela. Mais j'étais avec vous. J'ai compris. J'ai encadré, j'ai évité, je me suis désociabilisée parce que je savais où j'allais. On ne me rendait plus visite, je ne rendais plus visite. Je ne voulais pas les gens qui viennent dire, mais pourquoi ton enfant là touche à tout? Je ne voulais pas mettre mon enfant mal à l'aise. Mais pourquoi l'enfant là il touche à tout? Mais pourquoi il ne s'assoit pas fait tel? Non, c'est parce que l'enfant là vous ne l'encadrez pas bien. Hein? Non, c'est parce que les gens ne connaissent jamais ce que vous vivez, votre histoire. Oui, vous êtes les seuls à maîtriser. Mais c'est facile pour les gens de juger.
Oui, ça dit que lorsque vous avez ce genre d'enfants, même les enfants qui ne vous respectent pas, encadrez-leur. Vous êtes leur leader. Oui, vous êtes leur leader. On a perdu de l'argent. Oui, parce qu'on voulait encadrer notre enfant. On a tout sacrifié. Ma mère dit souvent, je n'ai jamais vu les parents comme vous. Parce que j'ai dit à Dieu, je lance un défi au diable. Mais j'ai mis mes enfants sur la story, allez les voir. C'est pas l'avantagise, non. C'est parce que je suis fier des sacrifices. Lorsque tu récoltes les sacrifices, ce n'est pas la chance. Arrêtez de dire que, oh, fait-elle, vraiment toi tu as la chance. Ce n'est pas la chance, c'est les sacrifices. Et ces sacrifices-là, vous n'êtes pas prête à le faire. Vous êtes focalisé à construire, à coudre le couetou. Et ce qui vous préoccupe, c'est l'apparence physique. Vous ne savez pas qu'il y a des périodes même dans la vie où on se délaisse parce qu'on sait ce qu'on veut. Dans la vie où on accepte même de prendre du poids. On accepte même que les gens disent qu'on est devenu vilaine, qu'on a arrêté le diamant parce qu'on est focus sur quelque chose. On a une cible bien déterminée. Et oui. Et oui. Pendant cette période-là, je ne me oignais plus. Je n'avais plus la tête à ça. Je ne me voyais plus, ça ne me servait à rien. J'étais focus sur un but. Quand je me lève le matin, moi-même je suis là. Je peux enseigner un enfant aujourd'hui pour apprendre mon fils. Vous comprenez un peu? Eh oui, c'est des sacrifices, mes reines. Ce n'est pas la chance. La chance n'existe pas. Ce que tu sèmes dans la vie de ton enfant, c'est ce que tu vas récolter. Maman, si tu veux voir la transformation dans la vie de ton enfant, c'est maintenant. Mais si tu es focalisé à faire les tontines qui vont te permettre d'acheter les sacs à main pour aller se faire voir, acheter les bassines de cuvette pour aller te faire voir, et demain, toi-même, tu as honte de ce que tu as mis au monde. Eh oui, parce que ces enfants en Europe-là vous font honte. Vous ne pouvez pas les amener quelque part, vous n'êtes pas fiers. Vous font honte de ce que vous-même, oui, vous avez mis au monde. Et ça, c'est un problème. Oui, et ça c'est un échec. Même si tu as des immeubles, les biens, ça c'est un échec, mes reines. Voici le moment. Voilà la rentrée qui a commencé. Il y a combien de personnes qui font ce genre de live que moi je fais? Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est pourquoi moi je dis toujours, je fais dans la qualité. Oui, il y a combien de personnes qui font ce genre de live? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce genre de live ne ramène pas du monde. Oui, ce genre de live c'est des enseignements. On instruit, on enseigne, on accompagne. Voilà mon but en fait. Voilà mon rôle. Et généralement, ce genre de life-là ne ramène pas du monde parce qu'on ne parle pas du couetou. On ne parle pas de comment coudre le ventre. On ne parle pas de comment augmenter les seins. On ne parle pas de comment augmenter les fesses. On ne parle pas de comment on va raccommoder le couetou. C'est ça. Vous êtes tellement focalisé dessus. Oui. Quand tu raccommodes le couetou là, tu ne meurs pas. Tout ça pour faire quoi? Tout ça c'est pour les hommes, hein? Tout ça pour faire plaisir aux hommes, pour se faire aimer, désirer davantage pour un homme. Mes reines, le jour où je vais vouloir faire ça, ça va venir de moi. Je ne peux pas faire ça pour faire un homme. Si le couetou là veut s'asseoir lolo jusqu'à... Si tu veux seulement partir, tu pars. Si tu veux divorcer, tu divorces. Je ne peux pas faire ça pour un homme. Ça c'est les choses qu'on fait pour vendre le piment. C'est les choses qu'on fait parce que c'est un capital pour vendre le piment. Donc, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas une vendeuse de piment, ça te sert à quoi? La reconstruction pour avoir confiance en soi, ça ne passe pas par la réparation de son corps. Je suis désolée. Moi, j'ai vu des femmes qui me disaient, oui, peut-être je n'ai pas confiance en moi parce que mes seins sont tombés. Ben, elles ont refait les seins. Elles manquent toujours autant de confiance en elles. Après, elles ont dit que non, c'est parce que tu sais, le ventre, il y a trop les vergetures. Elles ont refait le ventre, mais elles sont toujours aussi complexées. Elles manquent toujours de confiance en elles. Pour vous dire que si vous vous sentez affaibli, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, ce n'est pas ça la solution. La solution commence à l'intérieur. Sinon, vous allez faire 32 chirurgies. Vous allez être toujours autant complexé des autres femmes qui sont nickel, peau naturelle, peau bio. Ben oui! Qui ont un corps là, avec des imperfections. Oui. Vous allez toujours être complexé de ces femmes-là. Vous comprenez, mes reines? Tout ça, c'est n'importe quoi, mes reines. Restez focus sur l'éducation de vos enfants. Oui. Restez focus sur l'éducation de vos enfants. Voici la rentrée. Si les papas ont démissionné, ne vous dites pas. Vous ne faites pas ça pour un homme. Les femmes, c'est pourquoi je dis souvent, quand vous partez faire l'enfant, coucou du cœur, coucou ma reine, bisous à toi. Quand vous allez faire l'enfant, pour faire plaisir à un homme, voilà les conséquences. À un certain moment, vous commencez à détester l'enfant. Vous n'êtes pas prête à faire des sacrifices
pour l'évolution, pour l'éducation de votre enfant. Parce que dans votre tête, c'est quoi? Oui, moi, je suis seule sur cet enfant. Le père même, il est où? Moi, je fais... C'est pour ça que ne fais jamais l'enfant pour faire plaisir à un homme. Parce que vous allez développer même de la haine pour cet enfant-là. Vous aurez l'impression qu'à cause de cet enfant, vous avez raté votre vie. À cause de cet enfant, vous n'avez pas pu être la femme que vous avez toujours rêvé être. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu. Donc, même si les papas ont démissionné, hein? En Afrique, là, on dit que l'enfant, c'est pour la mère, non? C'est pas ce qu'on dit en Afrique. On nous dit toujours, nos mamans nous disent, oui, l'enfant, c'est pour toi. Oui, l'enfant, c'est pour toi. Oui, ne regarde pas, hein, ne regarde pas. Regarde ton père ici à la maison. C'est pas comme ça que nos mamans disent. Regarde ton père ici à la maison. Je suis resté avec lui 40 ans de mariage. Il faisait quoi? Je me suis battu pour vendre, pour vous envoyer à l'école. Ne regarde pas comme ça. Va les conseils de nos mamans, non? C'est pas plus mal que ça. Oui, c'est pas plus mal que ça, parce que dans les conseils de nos mamans, il y a le bon, il y a le... Voilà, c'est pas plus mal que ça. Vous comprenez un peu? Bah oui, parce que si l'enfant est déjà là, que le père s'en occupe, vous-même vous connaissez en Afrique comment ça s'en occupe. Ça se passe, la plupart des hommes bantous, quand ils ne tournent plus, ils ne s'occupent plus. Il y a des hommes là, on les cherche dans les bars pour venir payer la scolarité. Tu vas faire comment? Tu vas laisser ton enfant? Les hommes d'aujourd'hui, surtout les hommes bantous, en Europe, ils payent parce qu'ils sont un peu obligés. Oui, ça dit qu'ils sont un peu obligés. Oui, la ration alimentaire, ci et ça. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Parce que le système oblige. Mais en Afrique, là, quand tu ne donnes pas, si vous ne sortez plus ensemble, il va s'occuper. Il oublie qu'il a un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le sentiment, oui, les psychologues nous disent que le sentiment que le père a pour l'enfant, c'est en rapport avec ce qu'il a pour la mère. Quand le père se désintéresse de la mère, il commence à ne plus vous aimer. Vous allez remarquer qu'il commence à négliger les enfants. Oui, ça c'est prouvé. Vous comprenez un peu? Oui, mère, c'est pourquoi vous n'allez pas abandonner vos enfants. Oui, vous devez mettre vos fesses à terre. Si vous êtes encore une femme célibataire, oh, vous allez encore doubler d'efforts trois fois plus. C'est une réalité, mère. C'est une réalité. Si vous êtes encore une femme célibataire du genre où le papa a abandonné là, parce qu'ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux ici. Oui. Ne vous focalisez pas seulement en vous disant j'ai payé la scolarité. Ça, c'est ce que nos mamans faisaient. Éduquer un enfant en Afrique, c'est amener envoyer l'enfant à l'école, payer la scolarité. C'est qui suit là derrière? Les parents ne sont plus au courant. Oui, les parents sont désintéressés du quotidien de l'enfant, ils ne s'intéressent plus. Ils savent qu'ils ont fait des efforts, l'enfant mange à la maison, l'enfant va à l'école, ça y est, c'est terminé. Ne soyez pas comme ces parents-là, il y a tellement de conséquences. Oui, ne soyez pas comme ces parents-là. Oui, ne répétez pas le même schéma de vos parents. Et pourtant, vous savez que ce schéma vous a créé des blessures de l'intérieur. Ce schéma vous a créé tellement de conséquences dans votre vie. Alors, c'est maintenant que vous devez remédier à cela. Oui, c'est maintenant que vous devez remédier à cela. Vous êtes jeune, vous avez la force, mes reines. Mettez vos fesses à terre, le clitoris à terre pour vous éduquer vos enfants. Quand j'ai souvent dit ça aux femmes, elles disaient que oui, peut-être. Donc, comme on a les enfants, on ne doit pas jouer la vie. Donc, on ne doit pas avoir un homme dans notre vie parce qu'on a des enfants. Ce n'est pas ça. Trouvez l'équilibre, mes reines. Ce n'est pas ça. Trouvez le juste milieu. La vérité, c'est que c'est pour ça qu'un enfant, ça ne se fait pas au hasard. Le blanc a compris les choses là-haut. C'est pour ça que pour faire un enfant, ça ne se fait pas au hasard. Mais quand tu fais un enfant, malheureusement, tu ne peux pas vivre que pour toi. Tu ne peux plus penser qu'à ton propre bonheur. Tu dois aussi penser au devenir de l'enfant. Ce que l'enfant va devenir, son éducation. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui me pousse à faire ce live aujourd'hui? Ça fait quelques semaines, je n'ai pas fait de live. Voilà. J'ai reçu une reine qui est totalement meurtrie, en larmes. Oui, en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants n'ont aucun respect pour elle. Les enfants lui parlent n'importe comment. Ça dit qu'elle est même parfois souffrante. Pour lancer seulement la machine pour les habits, les enfants refusent. Les enfants mangent, ils déposent le plat. Les enfants ne veulent rien faire. Ça m'a fait tellement de la peine et je me suis dit, mais je dois parler de ce sujet encore une fois de plus. Mes reines, parce que c'est maintenant que vous devez commencer ce travail-là. Vous savez, ça peut vous blesser. Mais la première des choses, vous savez, vous devez être un exemple pour vos enfants. Je vous l'ai toujours dit, mes reines, les enfants copient. Les enfants imitent ce que vous faites à la maison. Vous aurez beau dire aux enfants, faites ceci, ne faites pas ceci, faites cela, tant que ça ne suit pas avec vous-même, l'exemple que vous montrez, que vous donnez à l'enfant, dans les attitudes, l'enfant ne va jamais vous écouter.
Oui, vous devez être une star, un leader pour vos enfants à la maison. Ça dit que quand les enfants vous voient, ils doivent voir que, ah, je veux devenir comme maman. Oui, est-ce que vos enfants se disent qu'ils veulent devenir comme vous? Si vos enfants ne se disent jamais, je veux devenir comme maman, il y a problème. Ça voudrait dire que pour ces enfants-là, vous n'êtes pas un exemple. Il faudrait que les enfants disent que, ah, maman, vraiment, ha, j'ai eu une mère. Il faudrait que demain, lorsque vous ne serez plus là, que l'enfant reste et dit, la vie de ma mère est un enseignement pour moi. Je veux devenir comme ma mère parce que j'ai vu ce que ma mère faisait. Ma reine, si ton enfant ne peut pas dire qu'il veut devenir comme toi, il y a problème. Ben oui, que tu sois marié ou célibataire, oui, il y a problème parce qu'on peut être célibataire et réussir l'éducation. Oui, réussir l'éducation de ses enfants, c'est très important. Oui, très important, mes reines. Je suis accompagnée au quotidien. Mes copines que j'ai, les copines du quotidien, c'est maintenant qu'elles se sont mariées. Ça fait plus de 5 ans qu'on est amies. Elles étaient célibataires. Elles ont des enfants. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là. Parce que j'ai vu ce qu'on appelle éduquer un enfant. Ces femmes-là célibataires, mais j'ai vu ce qu'on appelle, oui, faire des sacrifices pour ses enfants. Éduquer, oui. Même moi, en tant que copine, je n'ai jamais vu les gars de ces filles-là. Oui, je n'ai jamais vu qu'on ramène un homme à la maison. Parce qu'elles m'ont toujours dit, fait-elle, depuis que je suis séparée, mes enfants n'ont jamais vu un autre homme. L'homme qu'ils vont voir, c'est l'homme qui est prêt à m'amener à la mairie. Si ce n'est pas ça là, ma mère, on va seulement que se cacher. On va se mourir en cachette. Ils ne verront jamais. Les enfants jurent au nom de leur maman. Et ça, est-ce qu'elles sont mariées? J'admire et j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Pour vous dire que lorsqu'on a le respect pour une femme, ce n'est pas une histoire d'avoir une alliance, d'être marié ou de ne pas. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens se marient pour les mauvaises raisons. Les gens se marient, le mariage aujourd'hui, c'est comme une couverture. Les gens se marient, font n'importe quoi. Vous comprenez un peu. Mais parce que j'ai vu en ces femmes-là, ça veut dire que l'éducation qu'elles ont donnée et qu'elles continuent de donner à leurs enfants. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié les valeurs qu'elles inculquent. Oui, la façon de gérer le quotidien, malgré qu'elles sont célibataires. Oui, ce n'est pas des femmes qu'on va pointer du doigt, dire que oui, celle-là, elle monte, elle descend ici. Celle-là, elle monte, elle descend ici. Tout au contraire, quand elles disent même qu'elles sont célibataires, les gens, ils rigolent. Quand je disais souvent, non, elles sont célibataires, les gens, ils rigolent. Les gens ne croient pas. Oui, parce qu'elles ont mis une conduite dans leur vie, une certaine discipline. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez appliquer. Il faut copier le bon exemple. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez appliquer. Oui, si ton enfant te méprise, ton enfant te manque de respect, ma reine, la première des choses, deviens l'exemple pour tes enfants. Oui, je dis souvent aux femmes célibataires, vous n'êtes pas obligé de coucher, tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous couchez avec X, Y. Il y a des femmes là, elles se sentent inférieures quand elles pensent qu'on ne sait pas qu'elles ont un homme. Il y a une femme qui ne tourne pas, mais les femmes tournent en sous-marin, on dit comme ça. Oui, en sous-marin. Oui, pourquoi? Parce que vous savez que vous savez ce que vous faites. Oui, mais vous, les femmes célibataires, vous rencontrez un homme aujourd'hui. Demain, dès qu'il vous blase un peu, oui, ramène les enfants, va aller au restaurant 5 étoiles. C'est comme si vous-même, vous voyez que vous êtes incapable de vous offrir un restaurant 5 étoiles. Vous portez, il y a les enfants, tout. Vous allez présenter. Pour faire quoi? Vous êtes incapable d'offrir un restaurant 5 étoiles ou une nuit dans un hôtel 5 étoiles à vos enfants. Vous faites quoi? Et comme ces hommes-là savent que pour prendre le cœur d'une maman célibataire, il faut commencer à donner l'amour à ses enfants. Elle va fléchir parce que la femme, c'est ça. Il commence par les enfants. Oui, on ramène les enfants, on va aller faire le shopping. Maman, s'il a les cadeaux qu'il te donne, tu vas donner aux enfants. Et quand tu pars là-bas, tu ne dis pas que c'est quelqu'un avec qui tu sors. Tu dis que c'est un tonton là qui a donné. Ça dit quelqu'un de la famille qui connaît. Tu arranges avec la personne là. Oui, l'enfant doit toujours te voir comme... Ça dit que l'enfant doit avoir du respect pour toi. Oui, ça va arriver à un stade où c'est même les enfants qui vont te dire que « Ah maman, tu n'as personne dans ta vie. » Oui, ah maman, il faut que tu te mettes avec quelqu'un. Et le jour où tu vas te mettre avec quelqu'un, les enfants n'auront pas l'impression que cette personne-là vient voler leur place. Les enfants seront tellement contents pour toi parce que les enfants vont dire « Ah maman, tu as trop fait pour nous. » C'est le moment où toi aussi, tu dois faire la vie. Tu dois aussi profiter de la vie, maman. Et oui, vous comprenez un peu? Oui, soyez un exemple
pour ces enfants-là. Ça, c'est la première des choses, mes reines. La deuxième des choses, c'est très important. Je veux vous parler pour les chrétiens. Nous avons un verset biblique et nous allons lire. Très important. Alors, lisons Éphésiens 6, le verset 4. Ça, c'est pour les chrétiens. Il est écrit. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est Éphésiens 6, le verset 4. Oui. Quand tu instruis tes enfants selon la parole de Dieu, tu ne seras pas déçu. Quand tu instruis tes enfants en les faisant connaître qu'il y a un Dieu qui est vivant, et ce Dieu-là a des commandements à respecter, ma reine, tu ne seras pas déçu. J'ai remarqué qu'en Occident ici, les mamans négligent beaucoup l'aspect spirituel, l'aspect biblique dans l'éducation des enfants. Vous savez, moi je le dis toujours, je prends l'exemple sur moi. J'ai grandi, été élevé dans une maison où tout passait par la parole de Dieu. Mais je vous dis, mes reines, tout cela a été tellement bénéfique pour moi dans mon parcours lorsque j'ai quitté le Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma vie, je n'étais plus avec mes parents quand j'ai pris la route pour l'aventure. Mais l'aspect biblique, l'aspect spirituel me mettait des limites. Je connaissais mes limites. Je traînais avec les gens, mais je savais que, peut-être, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que non. Quand ça arrivait à un niveau là, non, je savais que, non, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mon père n'était plus derrière moi, mais il avait inculqué en nous certaines valeurs bibliques, les connaissances bibliques. Ça veut dire que tu marches avec ta conscience te juge. Ça veut dire que toi-même, tu fais quelque chose. Tout de suite, tu te dis que, ah non, je ne dois pas faire ça. Ah non, je ne dois pas me comporter comme ça. Mais pourquoi? La connaissance de la parole de Dieu. Oui, la connaissance de la parole de Dieu, c'est très important. Quand un enfant a été instruit avec la parole de Dieu, grâce à la parole de Dieu, mes reines, même si vous mourrez, cet enfant-là, il va rester instruit. Oui, il va garder certaines valeurs. Il va connaître des limites dans la vie. Il va savoir que non, si je fais cela, Dieu n'aime pas. Il ne va même plus s'arrêter de faire certaines choses, pas à cause de vous. Hein. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui. Oui, je vois mes enfants. Ils n'arrivent pas à faire certaines choses. C'est pas à cause de la maman, parce qu'ils ont peur de la maman. Mais parce qu'ils mettent Dieu devant, parce qu'ils se disent toujours, ah, Dieu n'aime pas ça. Oui, ah, Dieu n'aime pas ça. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça parce que vraiment, la parole de Dieu m'interdit de faire ci. Dieu n'aime pas ça. Je fais des choses pour plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a un maman qui comprend la profondeur du message? C'est très important. Oui. Apprenez à vos enfants à prier. Arrêtez de dire, ah, tu sais, nous sommes en Europe. Hein. Parce que vous avez tellement cette mentalité-là de dire, ah, nous sommes en Europe, que vous laissez vos enfants comme ça. Oui, éduqués par les gens d'ici. Si tu laisses tes enfants être éduqués par les gens d'ici, ma reine, à 40 ans, 50 ans, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas récolter le fruit, oui, de ce que toi-même tu as semé. Parce que vous avez les expressions ici. Ah ouais, nous sommes en Europe, tu sais, les enfants d'ici. Chez moi, je ne connais pas le terme là que nous sommes en Europe. J'éduque mes enfants dans la bonne voie. Oui, je ne connais pas que nous sommes en Europe, nous sommes ici. Du moment où c'est bien, du moment où c'est bon, ça marche. Ce n'est pas parce que je suis en France que, comme je suis en France, je dois laisser certaines choses passer parce que les autres enfants font ceci, les autres enfants font cela. Il faut que l'enfant s'adapte aussi pour faire comme les autres. Non. Non, non. Faites attention, mes reines. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Quand l'enfant à 17 ans va dire que je ne fréquente plus, dans un pays où il y a tellement d'opportunités, vous allez mettre les mains sur la tête. Quand l'enfant à 17 ans va commencer à être passeur dans les couloirs, vous allez mettre les mains sur la tête. Quand l'enfant à 17 ans va commencer à dire que tu n'as plus rien à me dire, je fais de ma vie ce que je veux, tu vas mettre les mains sur la tête. Quand l'enfant à 18 ans va fuguer, aller raconter au tribunal comment tu le menaces, comment tu es une mauvaise maman, comment tu couches avec les hommes de gauche à droite, tu vas mettre les mains sur la tête. Faites attention, oh, soyez prudent. Et c'est maintenant que ça se passe. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est maintenant que ça se fait, mes reines. Oui, éduquez vos enfants selon les principes de Dieu. Éphésiens 6, le verset 4, ça c'est Fethel.
Ce n'est pas Fethel qui le dit, c'est la parole de Dieu. Nous avons un deuxième verset. Et oui, oui. Proverbe 26, le verset 6. C'est toujours pour les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, attends d'abord. Voilà, on va lire ensemble. Instruis l'enfant, s'il te plaît, il faut écrire les passages là, par message. C'est très important, ma reine. Il faut recopier ces passages là quand je lis. C'est très important. Il faut même épingler ça pour les mamans. Très important. Ça dit que vous devez mettre ça au chevet du lit. Très important. Voilà. Deuxième verset, Proverbe 26, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va relire encore pour les mamans. Merci beaucoup, Olga. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on a dit ici, instruis l'enfant selon la France ou selon les États-Unis, selon le Canada? Vos enfants qui sont au Canada, là, qui vous giflent là. Est-ce qu'on a dit ici, instruis l'enfant? Est-ce que la parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon les lois des États-Unis, selon les lois de la France ou selon les lois du Canada? On dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ce qui est bien. Oui, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est cette voie-là qui nous a construit. C'est cette voie-là qui nous a forgé. Quand je parle de mon histoire, je dis toujours, si ce n'était pas cette voie-là dont mon père avait bâti en nous, je serais une grande vendeuse de piment. Oui, je serais une grande vendeuse de piment. Oui, oui, oui. Parce que quand tu arrives en aventure dans un pays où tu ne connais personne, où on te dit que dans le pays, là, en France, pour réussir, il faut vendre le piment. Il faut venir t'inscrire à Viva Street. Tu vas commencer à Touma. Tu vas commencer à sucer pour 20 euros, 15 euros. Et que dans ton cœur, tu te dis, non, mais Seigneur, je ne peux pas faire des choses comme ça, mon Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui te met les limites. Il n'y a personne. Tu peux faire ça, personne ne te verra. Personne ne saura. Il y a des femmes là, c'est des grandes vendeurs de piment, personne ne sait. Personne ne saura, mais tu as un problème avec ta conscience. Pourquoi? Parce que tu as reçu des instructions. Tu connais la parole de Dieu. Tu as des limites. Tu as des limites. C'est cette parole-là qui nous a bâtis. Mes reines, instruisez vos enfants selon la voie de Dieu. Et ces enfants-là, que vous vivez ou pas, ces enfants-là, eh oui, vont mettre en pratique. Ces enfants-là auront des limites. Pas parce que pour honorer la mémoire de maman ou pour faire plaisir à maman, mais pour Dieu. Oui, pour Dieu. Parce que ces enfants sauront que, eh oui, ah, j'ai un Dieu qui m'a créé, j'ai un Dieu qui m'aime. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Très important. Vous comprenez mes reines? Les reines là dont les enfants ne respectent pas. Les enfants se détournent. Oui, tu parles à un enfant, ah, tu dis, va me donner l'eau, il dit que je ne parle pas. Tu dis que lève-toi, donne-moi si l'enfant à la maison, tu ne peux pas le commissionner. Oui, parce que c'est les enfants de l'Europe, tu sais les enfants de l'Europe. Hein. L'enfant est à la maison, tu as déjà les grandes filles, tu travailles jusqu'à. Tu ne peux pas dire fais-moi si, parce qu'on dit que oh, tu sais les enfants de l'Europe, vraiment ils sont comme ils sont. Tu sais dans le pays si, maman, dans quel pays? Moi je ne connais pas les choses comme ça. Hein. C'est le pays qui éduque mon enfant, l'enfant que moi j'ai porté. C'est moi qui mets la ligne que l'enfant va suivre. Ce n'est pas le pays qui me donne la ligne, la conduite à suivre pour mon enfant. Non. C'est moi qui mets, ça veut dire que qui trace la voie de l'enfant, ce n'est pas le pays. Même mon maîtresse, je le dis, je n'ai pas peur, quitte à aller même devant la loi. C'est moi qui dis comment l'enfant va marcher, ce n'est pas l'école qui me dit comment mon enfant va être, mon enfant va marcher. Non, on me connaît pour ça. Même l'habillement, quand j'habille mon enfant, vous enlevez ça, c'est un grand problème. Un grand problème même. Je peux faire même 14 lettres rien que pour ça. Comme je mets l'enfant là, laisser comme ça, c'est moi la maman, c'est moi qui connais ce qui est bon pour l'enfant. Est-ce que quand j'ai tout maillé, je prenais mon plaisir pour avoir l'enfant là, vous étiez là? Vous savez que j'ai mis l'enfant là au monde pour quoi? Est-ce que vous savez ce que moi j'ai prévu pour mon enfant? Oui. Voilà. Vous comprenez un peu les mamans? C'est vous qui tracez la voie de l'enfant. Ce que vous voulez voir se manifester sur votre enfant, vous pouvez s'aimer ça. Mes reines, j'ai confiance en vous. Je crois en vous, oui. Je sais que vous êtes des mamans battantes, vaillantes. Et que parfois, c'est la société et les réseaux sociaux qui essayent de vous détourner. Parce que vous voulez être comme X, vous voulez être comme Y. Vous voulez faire comme ça. Chaque chose a son temps dans la vie.
Oui, chaque chose a son temps dans la vie. Et je le disais au départ, apprenez à connaître vos priorités. S'il vous plaît, ce live doit être partagé massivement. S'il vous plaît, aidez une maman quelque part. Permettez-moi d'aider une maman quelque part en partageant ce live dans les groupes, même sur WhatsApp et tout et tout. C'est très important, mes reines. Vous savez, c'est des sujets tabous chez nous. Vous comprenez, mes reines? Il y a beaucoup de mamans qui souffrent et elles ont peur d'en parler parce que quand tu vas en parler, on va se rire de toi. On va dire que oui, tu as mal éduqué l'enfant. Les copines vont se rigoler. Les mamans souffrent avec leurs enfants. Oui, pour l'éducation, parfois pour recadrer. Elles se disent, ah, c'est trop tard. Non, j'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard. C'est vrai que les bonnes semences dans la vie d'un enfant, on commence à le faire à bas âge. Mais il n'est jamais trop tard. Si tu décides de faire des sacrifices, ça va te demander des sacrifices. Ça va te demander d'oublier parfois certaines choses. Ça va te demander parfois de ne plus travailler en temps plein. Ça va te demander parfois d'arrêter de faire les affaires. Ça va te demander parfois de ne plus être polyvalent, de voyager dans tous les quatre coins du monde. Parce que tu dois rester suivre l'éducation de tes enfants. Il y a un prix à payer, ça c'est clair, mes reines. Il y a un prix à payer. Si tu es prête à payer le prix, rien n'est perdu. Si tu connais tes priorités, tu es prête à payer le prix, rien n'est perdu. Ma reine, tu peux encore, oui, semer de bonnes graines dans la vie de tes enfants et tu vas récolter. C'est des choses que tu vas récolter. Tu es en train de semer dans leur vie. C'est des choses que tu vas récolter, mes reines. Vous comprenez un peu? C'est très important. C'est très important. Voilà. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. On va continuer. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. On va continuer. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Alors, autre chose. Autre chose, c'est quoi? Si vous avez un enfant à la maison qui se rebelle, mes reines, sachez que c'est une frustration. Il y a beaucoup de non-dits. Oui, sachez-le. Vous savez, lorsqu'il y a des non-dits, lorsque l'enfant se sent incompris, vous comprenez, ça peut créer, l'enfant peut devenir rebelle. Lorsque l'enfant se sent rejeté, ça peut, l'enfant peut devenir rebelle, l'enfant peut devenir désobéissant. Vous comprenez un peu? Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce que mon enfant est vraiment compris? Qu'est-ce qui lui tracasse? Qu'est-ce qui lui gêne? C'est très important, mes reines. C'est pourquoi en ce moment, vous devez entrer en communication avec votre enfant. Oui, parfois l'enfant peut se sentir mal compris. Oui, par exemple, pour les mamans célibataires, vous pouvez débuter une relation où l'enfant n'est pas content. L'enfant ne veut pas votre nouveau partenaire. L'enfant commence à être rebelle à la maison. Vous comprenez? Essayez de comprendre l'enfant. Essayez de comprendre l'enfant. Entretenez une bonne communication. Et ce que vous devez savoir pour entretenir une bonne communication avec l'enfant, ça commence par créer de l'amitié. C'est très important, mes reines. Je parle très souvent de l'amitié, de les bienfaits de construire une bonne amitié, une bonne relation avec vos enfants. Que ce soit des filles que vous avez, que ce soit des garçons. Oui, et pour construire cette amitié-là, vous devez être là, mes reines. Vous ne pouvez pas construire l'amitié à distance. Vous ne pouvez pas construire l'amitié à distance. C'est ça, en fait, mes reines. Vous devez être présent dans la vie de ces enfants. Vous devez participer à leurs activités. Vous devez avoir des activités que vous faites en commun, en dehors de leurs activités individuelles. Vous devez avoir des choses que vous faites ensemble. Et c'est ça qui renforce l'amitié. Quand je vois des femmes qui ont des grands enfants, je le dis souvent, hein, et je les vois courir après les amitiés des autres, moi, ça me fait rigoler. Et ça me fait mal en même temps. Ça me fait mal parce que je me dis, mais elle a des grands enfants, elle peut créer une bonne amitié avec ses enfants, mais pourquoi elle traîne à raffoler les amitiés dehors? Oh ma bestie, oh ma ceci, mais tu as les enfants. Parle à tes enfants, ma reine. Oui, entretiens une bonne relation. Vous savez, si vous voulez le secret pour entretenir une bonne communication avec vos enfants, comme je le disais, ça passe par de l'amitié. Et pour créer une bonne amitié, mes reines, avec vos enfants, il faut être présent. Oui, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, si vous voyagez, vous êtes une voyageuse internationale, vous n'êtes jamais là, je ne sais pas comment vous allez réussir à créer, à implanter cette amitié-là, ça va être très compliqué, sauf si à chaque voyage, vous emportez vos enfants, vous vivez ces moments-là ensemble, et ça va créer une bonne communication, une bonne ambiance entre vous. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? Vous devez comme ça partager les repas avec vos enfants. Si, même si vous travaillez, vous êtes très occupé,
Vous n'avez pas un jour, ne serait-ce qu'un jour où vous mangez à table pour parler, communiquer avec vos enfants, rire, parler de tout et de rien. Ça va être très compliqué. Si vous voulez construire une amitié avec vos enfants, oui, trouvez un moment où vous mangez tous ensemble en famille. C'est très important. Vous comprenez un peu. Trouvez par exemple des émissions à la télé, des émissions TV que vous regardez ensemble en famille. C'est très important. Il y a des films, il y a l'actualité, il y a les sports. Oui, mes reines, c'est pourquoi moi je parle toujours des sacrifices. Et c'est vraiment des sacrifices. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à le faire. C'est ça le problème. C'est des sacrifices, mais c'est pour un temps. Et après, tout ça va passer. Parce que quand vous avez implanté ces bonnes bases-là, tout se fait maintenant naturellement. Tout se fait, tout glisse naturellement. Vous aurez un moment où vous implantez ces bonnes bases et tout. Et après, ça devient naturel. Vous comprenez un peu. Parlez de votre parcours à vos enfants. Parlez de vos failles à vos enfants. Parlez de vos réussites. C'est très important à vos enfants. Très, très important. Oui, ne leur parlez pas seulement de votre souffrance et tout. Mais lorsque vous arrivez à faire quelque chose, à mettre quelque chose sur pied, parlez de ça avec vos enfants. Oui, profitez de vos moments de réussite avec vos enfants. N'appelez pas seulement les copines. Oh ma pote, tu sais, telle chose m'est arrivée. Prenez des choses, réactions. Appelez vos enfants. Manifestez votre joie. Les enfants doivent savoir quand maman est fâchée, quand maman n'est pas fâchée. Vous comprenez. Les enfants doivent comprendre votre émotion, doivent vous connaître. Parlez de vos joies, partagez ces beaux moments avec vos enfants. Organisez à la maison les fêtes, les tours. Ah, on va célébrer telle chose, on va célébrer ce qui est arrivé à maman. On va boire un champagne. Le champagne ici, c'est 2-0. On va boire un champagne. Ne sortez pas, vous allez en boîte. Je vois les mamans. Quand elles ont quelque chose, une bonne nouvelle, elles vont sortir, aller en boîte avec le gars. Aller passer le week-end chez le gars pour partager la bonne nouvelle. Soit disant, je suis contente, c'est bien, mais faites-le aussi avec vos enfants. Ne vous dites pas, les enfants sont petits. Hein? Non. Les enfants là, retiennent tellement de choses, vous n'avez même pas l'idée. Oui, retiennent tellement de choses. Je pense que c'est à partir de 8 ans que les enfants n'oublient plus. Oui, que les enfants commencent à retenir tout. Je pense, oui, si j'ai encore bonne mémoire. C'est à partir de 8 ans. Ces enfants-là retiennent. Oui. Et c'est comme ça que vous allez réussir à créer une bonne relation avec vos enfants. Oui. Quand vous serez affaibli, ces enfants seront là. Ça dit que vous n'aurez plus besoin de demander aux enfants comment la journée s'est passée. Ça va se faire naturellement. Quand l'enfant arrive, l'enfant a quelque chose, il veut raconter à sa mère. Parce que sa mère, c'est son ami. Sa mère, c'est sa bestie. Sa mère, c'est sa wario. Sa mère, c'est voilà quoi, c'est maman quoi, c'est mon ami. Oui, la première personne à qui tu veux expliquer, c'est à ta maman. Et c'est pourquoi, généralement, quand ces enfants vont subir des choses à l'école, vont subir des agressions, oui, même à l'école, ces enfants-là auront du mal à vous cacher. Oui, ces enfants vont être expressifs. Les enfants sauront que maman n'a pas de jugement. Oui, ça dit que maman n'a pas de jugement. Oui, à faire. Vous comprenez un peu mes reines? Eh oui. Tout ce qui va se dire à l'école, l'enfant viendra vous dire naturellement. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Oh, dis-moi, la maîtresse a dit quoi? Oh, raconte-moi, ça s'est passé comment? Est-ce que tu vas bien à l'école avec les amis? Est-ce que ça se passe comment avec tes amis? L'enfant te traite comme une amie. Donc, l'enfant te parle naturellement de tout et de rien. Voilà comment vous allez réussir à avoir une bonne communication. C'est très important. Ça dit que même si à la maison vous allez ramener quelqu'un, les enfants te diront « Ah maman, nous sommes fiers de toi » ou « Ah maman, cette personne ne nous plaît pas ». Essayez de comprendre vos enfants. Mettez-vous toujours à leur place. Montrez à l'enfant que je te comprends. Je me mets à ta place. C'est très important. Ce que nos parents en Afrique là ne connaissent pas. Montrez à l'enfant que vous lui voyez, vous comprenez ses émotions, vous comprenez sa réaction. C'est très important. Ça dit qu'en même temps, vous rendez l'enfant responsable. En même temps, vous montrez à l'enfant que je te comprends. Et voilà comment, mes reines, on finit par créer une amitié avec l'enfant. Quand il y a une situation, expliquez clairement à l'enfant. Oui, ne soyez pas, vous savez, parfois les parents sont dans les interdits, comme nos parents avant, vous voyez, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais parfois, on nous a interdit, on nous a mis tellement de restrictions, mais on ne nous a pas dit pourquoi il ne faut pas le faire.
Oui, soyez explicite. Ne soyez pas seulement dans les interdits, sans expliquer à l'enfant les conséquences, ce pourquoi l'enfant ne doit pas faire telle chose, ce pourquoi tu aimerais qu'il marche comme ça et non comme ça, ce pourquoi tu aimerais, c'est très important. Et c'est aussi ça la communication. En ce moment, vous n'êtes pas dans la, vous êtes dans la communication. Vous n'imposez pas seulement, mais vous expliquez à l'enfant, ah, tu sais pourquoi je ne voudrais pas que tu fasses ci. Parce que voici, voici, voici. J'ai de l'expérience. J'ai ceci. Moi-même, je suis passé par là. C'est pourquoi je vous disais, parlez de vos expériences de vie à vos enfants. Vous avez des filles. Parlez de vos expériences de vie. Parlez de vos expériences sur le point sentimental à vos filles. Et c'est comme ça qu'elles vont prendre votre histoire. Oui. Elles vont prendre de votre histoire et se dire, ah, vous savez, ma mère a vécu ci, il faudrait que je dois faire attention parce que souvent c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, expliquez à l'enfant, oui, les conséquences de leurs actes. Ne dis pas seulement, je ne veux pas que tu bois, je ne veux pas que tu fumes. Mais il faut expliquer à l'enfant pourquoi la cigarette n'est pas bonne. Il faut expliquer à l'enfant pourquoi la boisson n'est pas bonne. Ne dis pas à l'enfant, oui, tu sais, j'aimerais que tu n'aies pas de petite amie maintenant. J'aimerais que tu sois une femme comme ça, mais il faut expliquer à l'enfant. Oui, expliquez à vos filles ce que vous aimeriez qu'elles soient demain. À ma fille, j'aimerais que tu sois comme ça. À ma fille, je te vois être une grande dame demain. Et tu sais, tous les actes que tu poses sur les réseaux sociaux peuvent te rattraper demain. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Oui, aujourd'hui, oui, tu n'es pas une personnalité. Mais tu ne sais pas à quoi Dieu te réserve. Demain, si tu es une personnalité, tout ce que tu as fait sur les réseaux sociaux vont ressortir. Oui, vous comprenez un peu. Il faut expliquer, être explicite. Et à force d'expliquer à l'enfant, l'enfant va comprendre que c'est pour son bien. L'enfant ne dira pas seulement, ah oui, maman est mauvaise, maman m'interdit de faire ci. Mais il faut mettre les bienfaits. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes choses en avant. Vous comprenez un peu. Voilà. Il y a également autre chose, mes reines. Il y a également autre chose. Oui. Booster vos enfants. Oui. Bâtissez la confiance en soi de vos enfants. C'est très important. Vous avez cette capacité, les mamans, de bâtir la confiance en soi de vos enfants. Peu importe la bêteté de l'enfant, ne l'insultez pas. Montrez toujours à l'enfant que vous croyez en lui. Même lorsque l'enfant se sent affaibli, montrez à l'enfant que l'enfant a des capacités et que vous, vous avez confiance en lui à 100%. Vous ne savez pas ce que lorsque vous dites à l'enfant, tu es fort, tu es brave, tu es belle, tu es intelligente. Moi, je te crois capable de réussir cette année. Moi, je te crois capable d'arriver à écrire. Moi, je te crois capable d'aller en classe supérieure. Vous êtes en train de semer de l'intelligence dans la vie de cet enfant sans le savoir. L'enfant va se dire, ah, maman croit en moi. Je vais me déployer. Je vais faire des efforts. Et c'est comme ça que l'enfant va se surpasser. Bâtissez la confiance en soi de vos enfants. Pas des paroles. Oui. Pas des paroles. Ne voyez pas toujours vos enfants comme les derniers. Oui. Ne voyez pas toujours vos enfants comme les personnes au préalable qui ont déjà échoué. Oui, 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 oui. Ah, l'enfant là, il va même être quoi demain? L'enfant là, c'est un vaurien. L'enfant là, toi, tu vas même être quoi? Imbécile, un vaurien. Tu ne vois pas tes camarades, tu ne vois pas les autres. Ce sont des paroles à bâtir. Oui, ce sont des paroles à bâtir, mes reines. Oui, bâtissez, oui, des bonnes graines dans la vie de vos enfants. Oui, l'enfant dès maintenant, si vous voulez que votre enfant soit docteur, commencez à appeler votre enfant le futur docteur de la maison. Oui, le futur PDG de la maison, le futur docteur de la maison. Vous êtes en train de, par vos paroles, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de bénir votre enfant, vous êtes en train de bâtir la confiance en soi de votre enfant. Vous êtes en train de forger son caractère, son mental, ses attitudes, oh my God, à être docteur dans le futur. Eh oui, vous avez ce pouvoir. Oui, vous êtes les petits dieux de vos enfants sur terre. Tout ce que vous dites, tout ce que vous dites, ça va se réaliser. C'est vous qui avez le pouvoir, oui, de bénédiction sur la vie de ces enfants. Ce que tu veux voir réussir, veux voir arriver dans la vie de ces enfants, c'est maintenant. Chez moi, j'ai les docteurs, j'ai les médecins, et c'est comme ça. Quand je décroche le téléphone, oui, le futur docteur de maman, le futur docteur de la maison.
Quand tu vas être docteur, hein, pardon, ne pas me laisser à la maison de retraite, pardon, je ne veux pas moi habiter là-bas. Je veux moi rester chez moi, même s'il y a les escaliers pour aller dans ma chambre. Pardon, vous prenez quelqu'un, vous me laissez au rez-de-chaussée chez moi. Je ne veux pas moi. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. Chaque enfant a son nom. Chaque enfant a son nom. Chaque enfant a son petit nom. Et ce sont des noms qui galvanisent. Oui, oui, oui. Ça dit même lorsque l'enfant est seul, l'enfant sait que... Vous ne savez pas ce que ça fait à un enfant de savoir que maman croit en moi. Les gens croient en moi. Oui, je ne dois pas décevoir maman. Maman, tu n'as pas besoin de trop parler. Rien que des petites, petites choses comme ça. Tu es en train de construire quelque chose de puissant dans la vie de ton enfant. Oui, tu es en train de bâtir quelque chose de puissant dans la vie de ton enfant, ma reine. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très important. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très important. Ce live doit bénir une maman quelque part. Oui. Et si vous avez, vous voulez des rendez-vous coaching, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone qui défile. Il faut mettre le numéro de téléphone, s'il te plaît. Vous avez le numéro de téléphone pour des accompagnements en privé. Oui. Si vous voulez des accompagnements en privé pour les couples, des accompagnements individuels, des accompagnements pour vos enfants, n'hésitez pas. Voilà. Ça me rappelle encore, j'ai une reine. Elle a son enfant, la fille. Voilà. C'est sûr qu'elle est en live, elle m'écoute. Bisous, ma reine. Et une fois, elle me dit, mais fait-elle, qu'est-ce que tu as fait de ma fille? Ma fille est devenue coach à la maison. Oh. C'est elle qui est là en train de coacher ses petits frères, ses petites soeurs. Quelqu'un qui avait presque fugué la maison. Et fait-elle, qu'est-ce que tu racontes même à l'enfant là? Qu'est-ce que tu fais à ma fille? Je t'assure. Ma fille peut m'envoyer les messages 14 fois par jour. Maman, je t'aime. Maman, je vais te rendre fière. Maman, tu as trop souffert pour nous. Maman, papa t'a trop menacé. Maman, je vais te rendre fière. Tu causes même seulement quoi à l'enfant là? Quand elle m'appelait, elle était en larmes, fait-elle. C'est quel genre d'enfant, nos enfants de l'Europe, si? Hein? L'enfant ne décroche plus le téléphone de ses parents. Tu as déjà vu ça où, fait-elle? L'enfant, c'est nous qui devons chercher, même quand j'arrive chez ma fille, maman. Je sonne, la fille n'ouvre pas. J'ai dit, ma reine, laisse. On va reconstruire tout ça. Rien n'est perdu. On va reconstruire tout ça. Rien n'est perdu. Je ne peux rien te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu va faire. On va reconstruire tout ça. Tu vas avoir une bonne amitié. Mais c'est un travail qui va se faire ensemble. Oui, ce n'est pas de la magie, ma reine. Voilà. Quand les choses, les morceaux vont se recoller, reprends le processus en marche. Reprends le processus en marche. Sinon, les choses vont encore s'écrouler. Parce que c'est des sacrifices. Oui, c'est des sacrifices à faire. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, la fille est devenue à la maison coach de ses petites sœurs. Parce que je lui dis toujours, moi je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Ta maman croit en toi. Ta maman est tellement fière de toi. Elle dit que non, maman ne peut pas être fière de moi parce que j'ai fugué la maison. Maman ne peut pas être fière de moi parce que je l'ai dessus. Maman ne peut pas être fière de moi parce que je sais que je l'ai dessus. Je ne sais plus comment faire et tout. Je dis non. Ta maman est fière de toi. Tes parents sont fiers de toi. Tes petits frères, tes petites soeurs te voient comme un leader. Comme une leader. Oui. Moi, je crois en toi. Oui, oui, oui. Et je sais que les études que tu voulais faire là, tu peux arriver à le faire. Oui. Vous pouvez reconstruire toutes ces choses cassées dans la vie de vos enfants, mes reines. Ces enfants-là vivent avec des peurs, des craintes. Oui, ces enfants ont des blessures qui ont été bâties, construites. Oui, il suffit de recoller ces morceaux-là et vous aurez les enfants que vous avez toujours rêvé avoir. Oui, vous serez fiers de vos enfants. Mais ça demande un peu de sacrifice, comme je vous dis toujours. Je ne peux pas vous mentir, mes reines. Ça demande un peu de sacrifice. Oui, transmettez à ces enfants beaucoup d'amour. Transmettez à ses enfants l'amour du prochain, c'est très important. Le respect du prochain, c'est très important. Lorsque l'enfant a le respect du prochain, l'amour en lui, mes reines, l'enfant ne peut pas te répondre. L'enfant ne peut pas te dire, mouf maman, je ne t'écoute pas. Tu ne peux pas parler à l'enfant et l'enfant riposte. Tu ne peux pas dire à l'enfant, donne-moi de l'eau à boire et l'enfant te dit, je suis fatigué. Oui, quand l'enfant a le respect du prochain, l'enfant ne peut pas insulter tes copines. Oui, 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 tu le sais. Parce que l'enfant aura des limites. L'amour, donner de l'amour. Et vous savez,
Attention, quand je dis transmettre de l'amour, ce n'est pas acheter le matériel. Hein. Parce qu'en Europe ici, tout le monde peut offrir à ses enfants ce qu'il veut. Je ne sais pas, le minimum. Vous voyez. Et j'ai remarqué que les mamans se limitent dessus. Oh, l'enfant a tout, iPad, téléphone, iPhone, si. Ça ne suffit pas, ma reine. Si tu n'es pas présente, si l'enfant n'a pas des valeurs, oui, ancrées, tout ça c'est zéro. L'enfant va avoir une chambre gagnée, équipée comme vous aimez, équipée comme elle veut. L'enfant va avoir tout, mais l'enfant n'a pas les bases. Lorsque je parle de transmettre l'amour, ce n'est pas le matériel. Je dis même souvent aux mamans, le matériel doit venir en deuxième position. Ce qui doit être primordial, ce sont les valeurs, l'amour, avant le matériel. Parce que si vous mettez le matériel à l'enfant, l'enfant va croire que l'enfant va devenir tellement matérialiste que l'enfant pense que tout se limite autour du matériel. Vous comprenez un peu? Et l'enfant n'aura même pas l'amour pour vous, l'amour du prochain. L'enfant ne sera même pas conscient des efforts que vous faites pour lui ou pour elle. Vous comprenez un peu mes reines? Moi, j'ai dit, le matériel, on donne le matériel aux gens, à l'enfant qui mérite. Moi, je pars du principe là, ramène-moi 18 de moyenne, je te donne une voiture. Moi, c'est comme ça. Je pars du principe là. Oui, oui, oui. Les cadeaux, c'est en fonction de ce que tu es capable de m'apporter. Voilà l'année scolaire qui commence. Je te promets une voiture, ramène-moi ceci. Je crois en toi, ramène-moi 16 de moyenne. Et dis-moi ce que tu veux. Tu commences d'abord, qu'est-ce que tu veux cette année? Les enfants là, il faut les flatter. Oui, ramène-moi comme ça. Oui, 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 je te donne ceci. Ce n'est pas toi, tu restes comme ça, je te donne les choses. Je vais te donner le iPhone 14 que toi, tu ramènes quoi? Est-ce que tu connais comment on achète un iPhone 14? Mais c'est très important, hein, mes reines. Tu connais comment on travaille le iPhone 14? Tu connais comment on travaille ceci? Vous savez, ça me fait rigoler parce que parfois, je voyais des gens, hein, c'est des anecdotes comme ça qui me passent par la tête, qui me font rigoler. Je partage ça avec vous. Je voyais par exemple les gens qui me disent, ah fait-elle, oh tu dépenses sur tes enfants, ah fait-elle, l'enfant a ci, l'enfant a ça. Je dis, il ne faut pas imiter. C'est pourquoi je dis dans la vie, il faut apprendre à connaître vos priorités. N'imitez pas. Ne va pas acheter un truc parce que tu as vu fait-elle acheter à son enfant. Non. L'enfant, cet enfant que tu vois a mérité. Oui. Cet enfant, pourquoi un enfant a un jouet chez moi? Il doit savoir comment on achète ça. L'enfant-là doit mériter. Il doit mouiller le maillot. Il doit mouiller le maillot. Donc, ne vois pas mes garçons avec 4 téléphones, les téléphones qui traînent par-ci, par-là. Tu te dis que chaque téléphone qu'ils ont eu a été le cadeau face à quelque chose, à un défi qu'ils ont relevé. Parce que je crois en eux et je sais qu'ils sont capables de le faire. Oui, ramène-moi si. Je sais que tu peux le faire. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? Mais si vous, les vacances arrivent, vous offrez tout. Oui, l'enfant te dit seulement, oui, maman, mes copines ont iPhone 14. Toutes mes copines sont véhiculées. Oui, maman, toutes mes copines sont véhiculées. Ça, c'est les expressions des jeunes. Oui, moi, j'ai honte quand je marche à pied. Ah, si tu as honte quand tu marches à pied, là, ramène-moi 16 de moyens là. Je te donne la clé. Oui, parce que c'est l'argent, ça se travaille. Toi, tu ne connais pas travailler, donc toi, tu veux seulement prendre les cadeaux. Tu as tombé du ciel comme ça. Il faut montrer à l'enfant qu'il y a... Ça veut dire, l'enfant doit connaître qu'il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Oui, mes reines, c'est très important. Rien n'est gratuit. Ah, maman, tous mes amis ont changé de téléphone. Hein. Tous mes copines ont changé de téléphone. Tu sais, ma copine avec qui je traîne là-bas, sa maman lui a acheté comme ça. Tu sais, sa maman lui a acheté un nouvel iPad, un nouvel ceci. Toi, tu vas au magasin, tu achètes. Parce que tu dis que oui, l'enfant se sent complexé face à ses copines. Hein? L'enfant se sent complexé. Donc, toi, tu vas seulement donner les cadeaux comme ça. Donner les cadeaux comme ça. Entre-temps, l'enfant part à l'école. Elle ne met pas la tête à l'école. Hein. La tête est seulement dans les iPads. La tête est dans les sorties, la tête est dans les voyages, la tête est dans les ceci. Ah, tu vas aller découvrir les États-Unis. Ah, tu vas aller en colonie de vacances aux États-Unis. Ah, tu veux que maman paye. Ok, cette année-là, s'il te plaît, je crois en toi tous les jours. Je sais que tu es ma fille. Chérie, je sais que tu es notre futur temps à la maison. Là. Pardon, ramène-nous seulement ça. C'est rien pour toi, tu peux même faire plus. Ça, c'est le niveau là même bas. Ramène-nous tellement ça. Et c'est ça. Tu montres à l'enfant que c'est une façon d'éduquer, hein, mes reines. Vous croyez que l'éducation, là, c'est prendre la chicotte toujours? Non, pas forcément. Vous comprenez un peu? C'est une façon d'éduquer, de montrer à l'enfant que tout se mérite et rien n'est cadeau dans la vie.
Rien n'est cadeau dans la vie, tout se mérite. Le matériel n'éduque pas. Le matériel, lorsqu'il n'y a pas les bases, ça détruit. Oh! Le matériel, lorsque tu donnes le matériel à un enfant qui n'a pas les bases, les valeurs ancrées, tu es en train de détruire cet enfant petit à petit. C'est cette fille-là, demain, je touche du bois. Si quelque chose t'arrive, tu n'es plus. Qui sera obligé de se prostituer pour rester dans le standing de vie que maman et papa lui donnaient? Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur de ce message? Je veux voir vos enfants briller, mes reines. Je veux voir vos enfants être la tête et non la queue. Je veux voir vos enfants grimper. Oui, je veux vous voir être des leaders pour vos enfants. Je veux vous voir être des mamans exemples pour vos enfants. Je veux voir vos enfants dire, « Hey, je veux être demain, je veux être comme maman. » Ma mère là, femme forte. « Je veux être demain, je veux être comme maman. » Demain, je veux me battre comme maman. Demain, je veux me battre comme maman. Si vous donnez les cadeaux, l'argent aux enfants qui n'ont pas l'essentiel, je vais encore répéter, l'essentiel, c'est l'éducation, les bonnes valeurs, les enseignements bibliques, qui n'ont pas ces enseignements-là. Vous poussez vos filles dans les bras. Oui, des sugar daddy. Vous êtes en train de pousser vos filles dans les bras des sugar daddy. Et si c'est des garçons, vous les poussez à être des demain. Oui, parce qu'ils vont se dire, maman m'a mis dans un standing de vie, j'ai toujours grandi, j'ai toujours eu des bonnes choses. Vous entendez souvent le langage de ces enfants-là. Moi, je n'ai jamais rien manqué depuis que je suis petite. Maintenant, et c'est des enfants, souvent, quand elles grandissent, elles ne savent pas se débrouiller. Peut-être vous n'êtes plus de ce monde. Peut-être vous avez chuté, vous n'avez plus d'enfants, d'argent. Tout a chuté. Oui, vous comprenez, tout peut arriver demain. Oui, et voilà, l'enfant commence à dire, moi j'ai toujours grandi dans le lycée, je n'ai jamais manqué de rien. Vraiment, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commence à sortir avec des hommes plus âgés pour garder le même standing de vie. Elle ne sait pas chercher l'argent. Elle ne sait pas comment on fait pour acheter un iPhone 14. Elle ne sait pas comment on fait pour acheter une voiture. Elle ne sait pas comment on fait, oui, pour acheter un ordinateur Mac. Donc, vu que maintenant, tu ne peux plus lui offrir ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de sortir avec les hommes plus âgés. Elle ne va jamais sortir avec les hommes de sa classe d'âge. Parce que l'homme de sa classe d'âge, il est étudiant, il est au lycée, il est au collège, il ne peut pas lui offrir tout ça. Elle est obligée d'aller dans les bras des sugar daddy. Vous allez les écouter dire, moi je me sens en sécurité avec un homme âgé. C'est sécurité financière. Je me sens en sécurité avec un homme qui est plus âgé que moi. Parce que vraiment, il est comme un père pour moi. Il est comme un tout. Parce que là-bas, tout ce qu'elle veut, le sugar daddy donne. Est-ce qu'il y a une maman qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a une maman qui comprend la profondeur du message? Oui, les sugar mommy existent. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez un peu? Les sugar mommy, exactement. Vous allez voir des hommes là qui vont aller avec les pays ici là dehors. Vous allez voir des hommes qui vont être avec les mamans plus âgées, qui deviennent gigolos. Ils sont très jeunes. Très souvent, vous allez voir. Ils vont te dire, moi, j'ai toujours grandi, on nous emmenait à l'école en voiture. J'ai toujours grandi. Bon, papa est à la retraite aujourd'hui. Maman est à la retraite. Bon, voilà. Voilà comment, quand il va faire le stage quelque part où il va à l'école, il commence à avoir un faible pour les femmes âgées parce qu'elles ont une belle posture, belle voiture, elles sentent bon. Parce que lui, il s'est dit que c'est son milieu là-bas. C'est là où il doit être. Parce qu'il a grandi dans ça. Il commence à sucer la bouche des vieilles mamans, à porter la malédiction. Il commence à tapoter les fesses des vieilles mamans, à porter la malédiction. C'est une malédiction. Quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on tapote les fesses d'une maman qui peut être sa mère ou sa grand-mère. Ce n'est pas la malédiction comme ça que c'est quoi? Quand tu vas te marier, quand tu vas être grand, grand, grand là, tu vas te marier et tout. Oui, tes choses ne marchent pas et tout ça. Parce que tu as passé le temps à tout mal, les fesses des mères qui peuvent être ta mère. Tu as passé le temps à tripoter les fesses des mères qui peuvent être ton arrière-grand-mère. Oh, mes reines, vraiment que Dieu nous épargne. En tout cas, que Dieu nous en épargne. Oui. Que Dieu nous en épargne. Montrez la bonne voie à vos enfants. Et si vous avez des enfants qui vous manquent de respect, ma reine, il n'est jamais trop tard. Faites juste les sacrifices. Vous allez réussir à recadrer. Oui, faites juste les sacrifices. Vous allez réussir à recadrer. Comme je le disais, voici la rentrée. C'est maintenant que ça commence. L'année scolaire commence, voilà, en septembre. C'est maintenant que ça commence, voilà. Mettez-vous au sol. Prenez l'année académique de vos enfants en main.
Et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous allez sourire. Oui, à la fin de l'année, vous allez sourire quand les enfants vont vous ramener les bonnes notes. Vous savez, je me rappelle, il y a de cela des années, plus de 10 ans, je payais les billets d'avion ici, les week-ends, pour aller en Afrique, pour aller au lycée, là où mon fils travaille, là où mon fils fréquente. Les gens me trouvaient, il y a de cela plus de 10 ans, ils me trouvaient comme une maman trop exigeante. Vous savez, même ici, on dit souvent, oui, tu es vieux jeu. Et moi, je disais toujours, rendez-vous dans 10 ans. Oui. Les gens trouvaient que, non, tu dois laisser l'enfant faire ça. Tu dois laisser l'enfant être dans la mouvance de son âge. Et je disais que, quand vous dites que laisser l'enfant être dans la mouvance de son âge, c'est quoi? Oui, tu dois laisser l'enfant, si l'enfant veut sortir, aller dormir dehors. Tu dois laisser. Si l'enfant veut sortir, aller faire ceci avec les amis. Tu dois laisser. J'allais au lycée, donner. J'allais au lycée. Les gens me voyaient, me disaient que Fethel, non mais toi tu es vraiment une vieille maman quoi. Oh Fethel, toi tu es vraiment comme nos parents d'avant là. Je disais, occupez-vous de vos enfants, que chacun s'occupe. Même à mes soeurs, je disais ça. Oh non, tu théorisais les enfants. Oh non, machin truc, tu... J'ai dit, que chacun s'occupe de ses enfants. Pardon, je fais ma part d'éducation à mes enfants, que chacun s'occupe. Vous comprenez? Tout n'est pas utile dans la vie. Pourquoi? Parce que je savais là où moi je voulais aller. Je savais que c'est dès le bas âge que tout ça se joue. Oui, c'est dès le bas âge que tout ça se joue. Quand mon fils, je voyais une coiffure postée comme ça, avec une coiffure bizarre, je dis enlève la photo là, dans les 5 minutes, comme je vais venir me connecter là, que la photo là n'existe plus. On dit que non, les gens de son âge, ils doivent se coiffer comme ça. Il dit que voici les coiffures que tu dois faire. Voici. Je dis ça parce que. Vous comprenez un peu? J'allais à l'école demander les audiences pour rencontrer le proviseur. Pour dire que voici. Voici pour un week-end. Je travaillais. Je payais les billets d'avion ici. Je quitte, je pars. Ma mère crie sur moi, elle dit que wow, les gens là sont toujours en train d'accuser les enfants. Ils veulent seulement qu'on doit tuer son petit-fils. Ils veulent seulement que les gens là sont toujours mauvais. Les enseignants là sont toujours comme ça. Elle dit que les enseignants ne peuvent pas mentir. Si les enseignants disent que c'est comme ça, je les écoute. C'est à eux que moi j'ai confié l'enfant. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, ce que j'ai semé, tous ces sacrifices là, les résultats sont là. Oui, mes reines, les résultats sont là. Parce que j'avais compris. Et vous savez aussi, c'est pour ça que vous devez savoir là où vous voulez amener vos enfants. Si vous avez une vision pour vos enfants, vous serez apte à faire des sacrifices parce que vous avez une vision. Vous avez une fiche de route. Vous savez où vous voulez amener vos enfants. Vous savez ce que vous voulez voir demain arriver. Je dis que hein, moi j'ai les garçons. Vous voulez que moi je laisse les enfants pour que demain se lève, ils me giflent. Pour que demain l'enfant se lève à la maison, il me tape comme je suis courte de taille là. Pour que demain l'enfant se lève à la maison, il me gifle. Pour que demain les enfants commencent à me ramener les copines. Les copines chez moi défiler. Quand ils veulent parler, on me dit que wow, Fethel, nous sommes ici en Europe, nous sommes au 21e siècle. C'est ce que vous voulez. J'accepte être maman vieux jeu. J'accepte avoir des prescriptions. Quand tu venais chez moi, même aujourd'hui, tout est écrit, tout est... Ça veut dire que comme dans un foyer, un internat, tout est écrit, tout est spécifique. Les enfants connaissent que voici, j'ai la ligne rouge. Voici ce que maman aime, voici ce que maman n'aime pas. Voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Voici, on les responsabilise dès le bas âge. Ils ne vont pas être parfaits, mais ils vont avoir les limites, mes reines. Ils vont avoir les limites, beaucoup de limites. Ils vont avoir l'amour pour le prochain. Ils vont savoir que ce soit ma mère ou pas, voici un aîné, je dois respecter. Voici un aîné, je dois respecter. Je ne dois pas manquer de respect aux copines de mes mamans. Je dois avoir le minimum. Savoir dire bonjour, savoir dire merci, savoir... Bref, vous comprenez un peu. Ils vont respecter certaines choses. Et voilà les résultats aujourd'hui. Parce que j'avais aussi la vision. Et vous devez avoir une vision, une fiche de route. C'est très important. Si vous voulez que vos enfants... Oui, deviennent des grands hommes demain, deviennent des personnes, deviennent des enfants dont les nations sont fières, deviennent des enfants dont vous-même, parents, vous êtes fiers de vous asseoir quelque part et de dire oui, voilà mon enfant, vous comprenez un peu. C'est maintenant que vous devez suivre cette fiche de route-là. C'est maintenant que vous devez mettre les choses en place. Ne vous dites pas, c'est les enfants de l'Europe, est-ce qu'ils comprennent? C'est les expressions que moi je n'écoute pas. Ça n'entre pas bien dans ma tête.
Que moi, je vais accoucher l'enfant. Je commence à dire que c'est les enfants ici. Est-ce que les enfants de l'Europe, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que... Non. On ne prépare pas 4 nourritures chez moi. On ne prépare pas 5 nourritures. Si c'est une nourriture africaine, tout le monde mange. Tu ne manges pas. Va t'asseoir là-bas. Tu vas, il y a l'eau, il y a même l'eau minérale ici. En Afrique, on buvait l'eau du robinet. Il n'y a pas que quelqu'un va aller ouvrir mon frigo parce qu'il ne mangeait pas ceci. Tu pars me finir mes steaks parce que tu vas aller faire frire. Parce que. On dit que non, tu sais que les enfants de l'Europe, hein. Non, tu sais que les enfants de l'Europe. Vous voyez mes fils là, non. Il n'y a pas en Afrique avec eux. Il n'y a pas au village Bafia. Bafia avec eux. 3 mois. Quand je vais en Afrique, je ne fais pas une semaine, je ne fais pas 2 semaines. 3 mois, on est au maïs. En train de griller, en train de faire ceci. Vous pensez que je ne peux pas prendre l'appartement meublé VIP 5 étoiles? On est au village, on part au champ avec ma mère. On cueille le maïs, on cueille les arachides, on cueille les comme ça, on cueille les ceci. On reste là, on mange. Il n'y a pas que nourriture de l'Europe. Tout ce que, on ne prépare pas de nourriture chez nous, même en Afrique. Il n'y a pas que on va aller dans le supermarché Maïma parce qu'on va aller chercher uniquement les choses de l'Europe. On est ici au Cameroun. Le ventre au début, ça va déranger. Quand ça fait dire mon ventre, le ventre va s'habituer avec la nourriture de l'Afrique. Voilà. Donc au début, là, ça commence à faire, le ventre commence à faire tout, 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 tout. Et dès que ça va passer, vous allez boire l'eau. Vous buvez même l'eau minérale. Là-bas, la seule à boire, on boit même l'eau du robinet. Au village, on boit même l'eau du puits. Vous comprenez un peu. Donc l'eau minérale, là, c'est comme le médicament, ça va aller. Il n'y a pas, je ne fais pas moins 2 courses. Quand tu me vois à Maïma ou à ceci, c'est pour faire les courses normales. Il n'y a pas que je pars là-bas, regardez que comme je fais les courses de l'Europe, c'est les mêmes courses là que moi je vais faire. Parce que toutes ces choses-là, mes reines, quand vous commencez ça, ça ne va pas vous laisser. C'est comme ça qu'on éduque les enfants d'ici, alors qu'on vous dit là. Quand vous commencez ça, vous allez commencer que vous allez faire 4 nourritures. Parce qu'il dit que le couscous, c'est le gombo. Oh maman, le gombo, quand ça glisse comme ça, là, oh maman, moi je ne peux pas manger. Quand je vois le gombo, ça me fait vomir. Il dit que mon frère, tu vas vomir, après ça va. Tu vas revenir sur terre. Parce que nous qui avons mangé ça là, tant que la science dit que ça ne donne pas la maladie, papa, tu vas seulement manger. Et comme tu ne manges pas là, il n'y a pas que je pas à la cuisine pour aller faire une autre nourriture parce que tu ne manges pas. Parce que même mon mari n'est pas exigeant dans la nourriture, donc ce n'est pas vous les enfants. Vous allez venir me faire chauffer les doigts à la cuisine pour être exigeant. Pourquoi? La nourriture là donne la maladie? Non. Et pourquoi tu ne manges pas? Il peut arriver, oui, qu'on sait que l'enfant, il peut être allergique à ça, il peut être... Mais les fantaisies des enfants que, comme on est en Europe, quand je mange le gombo, ça me fait comme ça au ventre. Quand je mange la sauce d'arachide, oh, ça me fait vomir. Quand je mange ceci, non, maman, tu sais, moi, je mange pas ça. Parce que quand je vois ça, quand je mange le couscous, ça me fait comme ça. Ou, maman, moi, je mange que le steak. Maman, non. Les simagris des enfants, là, c'est-à-dire les choses, oui, les caprices des enfants, quand vous dites les caprices des enfants d'ici, je ne connais pas les choses comme ça. Je ne connais pas les choses comme ça. Mes enfants, tous mes enfants, je ne les ai pas moi à l'été. À partir de 3 mois, vous commencez à manger le couscous. Oui. À partir de 3 mois, vous commencez à manger le couscous. Donc, quand un enfant arrive 1 an là, il connaît, il y a toutes les saveurs de nourriture africaine. Donc, ça ne m'arrive même pas qu'un enfant dise que je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Bon, à partir de 3 mois, vous commencez à manger la nourriture. Oui. À manger la vraie nourriture. En Europe, ici. Donc, voilà. Donc, tu ne vas même pas me dire que le couscous, je ne connais pas. Tu connais ça depuis l'âge de 3 ans que tu as commencé. Depuis l'âge de 3 mois que tu as commencé à manger, tu connais la saveur du couscous. Tu connais la saveur des légumes. Tu connais la saveur du gombo. Tu connais la saveur de la sauce d'arachide. Tu connais la saveur du poisson fumé. Donc, quand tu auras 1 an là, tu ne vas pas me sortir les caprices que... Oui. Écoute, Roland, à partir de 3 mois, le couscous en Afrique, on mange à partir de quel âge? Le lait. Quand un enfant ne tète pas, hein, quand tu n'allaites pas un enfant, le lait d'ici est consistant pour un enfant. C'est la vraie nourriture qui est consistante pour un enfant. À partir de 3 mois en Afrique, là-bas, on ne donne pas la bouillie. Quand j'allais avec mon fils en Afrique, il avait ou c'est 6 mois ou c'est quoi. Hein? On fait le soja beans. On mélange le soja beans avec les riz, les bifaka, les spaghettis. On écrase ça. Tout ça. On écrase ça. C'est ça qu'on lui donnait, il mangeait. Et quand je suis revenu avec ici, je suis revenu avec beaucoup de bois. Quand je ne fais pas ça, quelque chose qui est consistant, je fais le couscous, il mange. Donc comment à 1 an, il va dire qu'il ne mange pas le couscous? Je fais le couscous avec le gombo, il mange. Comment à 1 an, il va dire qu'il ne mange pas le gombo? Il connaît ça depuis 3 ans dans son ventre, il connaît la saveur. Je fais le mbunga, il mange. Comment ici, là, il va me dire qu'il ne mange pas le mbunga?
Mais elle va seulement manger. Parce qu'il connaît ça depuis 3 mois. Tous mes enfants là, je ne les ai jamais allaités. Donc les laits qu'on vend ici là, est-ce que ça c'est consistant? Il y a ça, mais quand je vais donner la vraie nourriture tous les dans l'après-midi, c'est le couscous. Le couscous, le poisson, le soja beans. Quand je vais en Afrique, je ramène, même pour 6 mois, le soja beans. On mélange avec le truc, ce que nos mamans font là. Le soja beans, les spaghettis, le mbunga, les arachides. On écrase ça, non, on sec. Ça reste comme la poudre. Voilà, c'est comme ça qu'on touille ça maintenant. Oh. On touille ça maintenant à 3 mois. L'enfant, ça là, ça a plus de vitamines que le lait là. Le lait qu'on vend ici. Il faut aller taper les vitamines. Moi, je donne, Salomé, je donne le couscous. Le couscous, à 3 mois, il mange. À 3 mois, un enfant, il mange le couscous très bien même. C'est pour ça. C'est pour ça que quand vos enfants, si c'est les enfants d'ici, à 1 an, quand l'enfant n'a pas reçu certaines saveurs dans la bouche, à 1 an, l'enfant commence à dire que « Maman, je ne mange pas ci. Maman, je ne mange pas ça là. Maman, je ne mange pas moi ceci. Hein. Maman, je ne mange pas moi ceci. Maman, tu sais, moi, je n'aime pas moi ça. » Parce qu'ils ne sont pas habitués à cette saveur-là. C'est ça. Donc, il y a pas ça. Vous comprenez un peu mes reines. Oui, vous comprenez. C'est les caprices des enfants ici. Quand vous acceptez ça dès le bas âge, là, ça va vous suivre. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué. Il faut faire 4 repas parce que l'autre dit qu'il ne mange pas ceci. L'autre l'a dit qu'il mange que ça. L'autre l'a dit que... Et il y a beaucoup de mamans qui cèdent à ces caprices-là. Qui cèdent à tous ces caprices-là. Oui, tu sais comme c'est les enfants de l'Europe. Hein. Oui, tu sais comme c'est les enfants d'ici. Hein. Les enfants-là sont exigeants. Massa. Bah, tu accouches l'enfant, l'enfant devient exigeant. Tu accouches l'enfant, l'enfant te commande. Mais reine, pardon. Ayez un peu souvent honte. Tu accouches l'enfant, l'enfant vient te commander. Tu dis que l'enfant est exigeant. Tu accouches l'enfant, c'est toi qui montres à l'enfant toute la vie, non? Les choses de la vie, tu dis que l'enfant est exigeant. C'est parce que dès le bas âge, si l'enfant commence à manger le couscous à 5 ans, c'est normal que l'enfant te dise que je n'aime pas. Si l'enfant commence à manger le gombo à 5 ans, c'est normal que l'enfant te dise que non, maman, moi le gombo, là, la saveur, là, moi je n'aime pas. Tu sais, même la façon dont on coupe. Moi j'ai vu les enfants, ils disaient que de toute façon ça glisse, ça va les faire vomir sans même manger. Le fait de voir, c'est moi, ils ont envie de vomir. Oh, c'est terrible quand même. Ok, mes reines. Ok, mes reines, bon après-midi à vous. Hein. Bon après-midi, portez-vous bien. Continuez de partager ce message. Je vous laisse. Bon après-midi. Allez, bisous à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, bisous.